reçoit cette année 130 finalistes représentant 11 pays et 30 universités européennes. L'objectif de ces concours de cybersécurité éthique, c'est de s'adresser aux étudiants en leur proposant des épreuves. Et ici à Valence, cette année, nous organisons 4 finales. Donc des épreuves à la fois pour les lycéens et des épreuves pour les étudiants en école d'ingénieurs, master et jeunes chercheurs en cybersécurité. Les autres finales ont lieu simultanément dans les autres continents, à New York, Mexico, Abu Dhabi, en Inde et en Israël. Donc ce matin, Thales a organisé une rencontre entre une association de femmes professionnelles en cybersécurité et des jeunes femmes étudiantes dans ce domaine. Le but, c'est de partager leur expérience, de témoigner de leur expérience professionnelle et de montrer par là qu'avoir des femmes dans les métiers de cybersécurité, c'est non seulement souhaitable, mais aussi nécessaire. La diversité, c'est l'innovation et il y a de quoi faire une carrière pour elles avec beaucoup d'opportunités. Alors, l'épreuve d'aujourd'hui consistait en fait à une investigation Red Team. Du coup, on nous donnait 4 pistes d'entrée et on devait, à partir de là, au fur et à mesure, trouver des failles et faire un rapport complet. Je pense que c'était plutôt compliqué. On trouvait la faille, mais on arrivait un peu à côté. Mais à la fin, on s'en fiche si c'était compliqué parce qu'on a pris vraiment beaucoup de plaisir, on a beaucoup réfléchi et c'était vraiment très excitant. Cette année, deux partenaires de l'événement, Yes We Hack et Thales, ont pu donner 2 conférences sur les pratiques du hacking éthique à tous nos étudiants et à tous les finalistes participants à CISO Europe. Donc on est très content d'être là au CISO parce que ça nous permet de rencontrer les étudiants et de participer à l'événement. Et on est venu aussi annoncer le lancement de notre plateforme Edu, donc Yes We Hack Edu, qui permet aux écoles de former leurs étudiants au Bug Bounty. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux sociétés de mieux sécuriser leurs sites web, leurs applications, etc. En faisant appel à une communauté de chercheurs en cybersécurité, donc de hackers, de gentils hackers, et pouvoir être récompensés en échange de ces failles trouvées. Thales a proposé à les ISAR d'organiser une visite pour une classe de CM2 dans ses locaux. Le but, c'est dès le plus jeune âge de découvrir ce que c'est que la science et de découvrir avec des étudiants qui font des démonstrations de manière ludique les applications, par exemple des drones. Ça leur permettra plus tard, après, de rentrer dans des études scientifiques s'ils le souhaitent. The competition was very interesting. Both the part about solving challenges, basically solving a set each week, and also the live one was very interesting because it was the first time we had to do something about hardware. We didn't expect to get the first prize in this type of competition since none of us had any experience in hardware-related tasks. But in the end, we managed to get our knowledge from like taking part into CTFs into this type of challenges. And we are very happy about it. Nous sommes également très fiers de voir que les étudiants européens ont des résultats qui leur permettent de rivaliser avec les résultats des autres régions au Moyen-Orient, en Amérique du Nord. Par exemple, pour le concours Capture the Flag, la première équipe européenne, qui est une équipe allemande cette année, rivalise avec la première équipe américaine.